Une belle somme. Yanis Marshall dévoile son salaire dans la Star Academy et pourquoi il est le prof le mieux payé. De passage dans l'émission chez Jordan mardi 6 juin 2023 sur C8, Yanis Marshall s'est confié au micro de Jordan Deluxe sur le montant de son salaire au sein de la Star Academy sur TF1, tout en expliquant pourquoi il était le professeur le mieux payé. Comme chaque jour, Jordan Deluxe était présent sur l'antenne de C8 mardi 6 juin 2023. L'animateur était aux commandes d'un nouveau numéro de l'émission chez Jordan ce jour-là. Au sein de ce programme, le chroniqueur occasionnel de Touche pas à mon poste reçoit quotidiennement diverses personnalités. Mardi 6 juin 2023, Yanis Marshall fut convié à répondre aux questions de Jordan Deluxe. Pour rappel, le danseur et chorégraphe s'est révélé au grand public en 2022 sur TF1. Cette année-là, il était l'un des visages de la Star Academy. Pour mémoire, Yanis Marshall fut recruté pour endosser le rôle du professeur de danse de l'émission incarné par Nikos Aliagas. Il a ainsi pris la succession de l'emblématique Kamel Wally, qui occupait ce même poste par le passé. En outre, Yanis Marshall était également en charge de toutes les chorégraphies exécutées durant les différents primes du programme. Très rapidement, le professeur de danse est devenu le chouchou des téléspectateurs de TF1. Il a ainsi éclipsé les autres membres du corps professoral de l'émission. Comme à son habitude, Jordan Deluxe a voulu savoir quel était le montant du salaire touché par Yanis Marshall pour son travail sur la Star Academy. Yanis Marshall sur la Star Academy. J'avais deux boulots. Le chorégraphe a répondu cash en révélant avoir été payé 50 000 euros pour l'ensemble de la saison. C'est une belle somme, a surenchéri Jordan Deluxe. Pour cette semaine, de travail, NDLR, c'est une belle somme, lui a répondu Yanis Marshall, avant de révéler que tous les professeurs de la Star Academy n'avaient pas touché le même salaire que lui. En fait, le danseur a été mieux payé que ses confrères, parce qu'il n'a pas le même boulot que tout le monde. Par la suite, Yanis Marshall a précisé qu'il avait deux boulots sur la Star Academy. Les autres sont profs. Moi, je suis prof et chorégraphe de l'émission, a-t-il insisté.